Good morning, allez, Iden, le tutor aujourd'hui, le Nishmat Fortuné, Bat Louisa, ainsi que le Fouat Richard Aaron Ben Fortuné, Hanalea Badikital Levora et Sarabat Nehabam Torchar, les Israël, si vous êtes vous avez une chaîne YouTube, Mishta, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhat Psachim, Perikret Mishnah Vava Onen, Vam Fakiach et Agal, Ren Mishéhi Viti, Hu Leotio Mibet Asuri. Va Chole Vazake, En Shehen Yacholin, En Yachol Kazait. Chokhatin Alen. Al-Kulan, en shochatin alen bifne atzman, shema yaviyu et apesach lide psoul. Le fikach, imera bain psoul, turin me laasot pesach sheni, chutz min amfakach bagal, shoutame mitrilato. On a ouvert dans la mécha précédente le sujet de personnes qui sont impropres pour le moment à porter le korban pesach, mais qui seront aptes à le manger le soir. On avait appris, on avait essentiellement parlé du Zav et des impuretés du Zav, que lorsqu'arrivera, pour le moment, il est inapte à manger un korban, il est impur, même s'il s'est trempé au mikvé, mais il doit forcément attendre, ou bah Shemesh Veter, il doit attendre le Erev Shemesh, que le soleil se couche, pour pouvoir être apte à manger pour la journée suivante. Donc, le 14, il est inapte à manger, mais le 15, il sera apte à manger, on avait appris qu'on pouvait lui faire le korban Pessah, durant le 14, et par un intermédiaire, il envoie un chaliar. Et puis, il le mangera le soir quand il aura fini sa pureté. Maintenant, on va découvrir une autre sorte de groupe de personnes qui ont un certain problème à manger le korban Pessah durant le 14 Nissan, mais que le 15, le problème sera résolu. Et la Mishnah va me dire, bah, tu sais quoi? Pour ces personnes-là, de nouveau, tu pourras faire leur korban à l'aide d'un intermédiaire. Et finalement, si le problème s'est aggravé, ils n'ont pas pu finalement le manger, et ben ils se sont quand même acquittés de leur mitzvah. Et on commence à découvrir que le premier, c'est le Onen. Le Onen, Chas V'Chalila, Shel Oneda, c'est quelqu'un qui a eu un proche qui est décédé durant l'après-midi du 14 Nissan. Ils n'étaient pas aptes à l'enterrer, donc il est Onen. Onen, le fameux cas du Onen, qui est pas tour Mikol Amizvot, qui doit même manger sans faire de bracha, parce qu'il n'a même pas le droit de faire une bracha, même pas le droit de faire le Mekhet Amazon. D'accord? Ça c'est le Onen. Et il est inapte aussi pour le moment à manger le korban Pessah, parce que l'onen, il le mange avec tristesse. Il n'a pas il est dans la tristesse. Il faut manger nécessairement le korbanot, c'est déduit ça dans le pasouk. L'ochalti memenu be'oni, ça a été dit à propos du maser sheni, je crois que c'est là-bas qu'on déduit pour tous les korbanot aussi. Donc il est inapte à manger le korban Pessah. Maintenant il faut savoir, on parle maintenant d'un cas où il n'a pas le temps d'enterrer. Ça change un problème. Qu'il enterre ou qu'il n'enterre pas, il garde ce statut de onen que durant cette journée, il n'a pas le droit. Il est onen minator. Même si après enterrement, plus le statut de Onen, on devient maintenant juste Avel, malgré tout, durant la première journée, il est inapte à manger le Korban Pessah. Le soir qui suit, il devient apte à manger le Korban Minatora. Et même mieux que ça, je vais vous dire, on parle même du cas où il n'a pas eu le temps d'enterrer son mort. Dès que rentre Yom Tov, il n'a plus le devoir d'enterrer son mort. D'accord? Il peut pas l'enterrer pendant Yom Tov pour le moment. En l'occurrence, donc pour le moment, le soir, il aura un statut de Onen que Midrabanan, mais Chachamim, ils ont dit, écoute, le Korban Pessah, il est tellement important qu'on ne va pas maintenir notre interdit des Rabanan du Onen qui ne va pas manger le Korbanot par rapport au Korban Pessah, parce que cette fois-ci, il est obligé de manger le Korban Pessah. Du coup, la Mishnah me dit, ben, le Onen, donc, que pour le moment, il n'est pas apte à manger, mais le soir, il sera apte Minatora, il pourra faire son Korban Pessah, d'accord? Ça va être mis en facteur ensuite. La Mefakach et Agal. Mefakach et Agal, c'est le secouriste qui déblaye une avalanche de pierres. Il y a eu qui balaye des décombres. Et Chazir Khalila, une maison qui s'effondrait sur une personne. On ne sait pas si la personne elle, est vivante ou partie. Et puis maintenant, il va falloir commencer à vider toutes ces pierres jusqu'à qu'on va réussir à l'atteindre. Ça, c'est ce qu'on appelle un Mefakeach et Agal, celui qui déblaye le gal avanim, la monticule de pierres. Donc, on est dans une situation de nouveau, quel est le problème? Peut-être qu'en ce moment, il est en train de passer au-dessus d'un mort. Et donc, il est devenu impur, parce que la Touma Temet, Olado Akia, il fait un Oel dessus, il abrite dessus, donc dès qu'il passe au-dessus, il devient impur. Et donc, il ne sera peut-être pas apte à manger le Korban Pessah. C'est le même problème que le Onen qu'il avait. Idem avec le Vechen Mi Shehivti Chou, le Otsio Mi Bet Asurim. Celui à qui on a promis de sortir du bêta à Sourim de prison. Un homme qui était prisonnier,
Pour le moment, on va dire que c'était chez le Goïm, on expliquera après un peu plus, il y a un partenaire qui parle de ça. Il était prisonnier chez les Goïm, et ils lui ont promis que d'ici ce soir, ils vont le libérer pour qu'il aille passer le Pessah en famille. Donc du coup, maintenant, pour le moment, on ne sait pas est-ce qu'il pourra venir matériellement le manger, le Korban Pessah. On parle d'une prison qui est en dehors d'Yerushalayim, aux alentours d'Yerushalayim, mais en dehors d'Yerushalayim. Donc maintenant, on ne sait pas est-ce qu'il va pouvoir venir ou pas. Les Goïms nous ont dit qu'ils allaient le libérer, mais ce n'est pas sûr. Alors malgré tout, la Mishnah me dit, ben, pour tout cela aussi, tu pourras faire la Shrita du Korban Pessah. On va expliquer un peu mieux après. Il est aussi pour le malade ou le vieillard qui ont la capacité de manger un kazaït, mais en réalité, c'est pas sûr et certain. Peut-être que le malade, il va devenir encore plus malade. Le vieillard, le pauvre, il passe des moments où d'un coup, il perd toutes ses forces. C'est pas sûr qu'il va réussir à manger le kazaït. Malgré tout, pour toutes ces personnes, on pourra leur faire la shrita, étant donné qu'ils sont théoriquement aptes, ils sont becheskat mutar. En l'état, ils sont aptes à manger. Peut-être que la situation va changer. Peut-être oui, peut-être non. Pour le moment, tu restes avec la chazaka de ce qu'il est, et qu'il est apte à manger. De ce fait, on fera la shrita à toutes ces personnes. Ok? C'est clair. On fera la shrita, c'est-à-dire la shrita des korbanot de toutes ces personnes. Maintenant, je reviens, je reprécise un petit peu mieux sur l'histoire du prisonnier. On parle... Non, il faut d'abord continuer la suite pour mieux comprendre. Al-Kulan, maintenant, pour toutes les tous les cas de figure qu'on a évoqués, qui sont, je reprends, Onen, Mefakeh Hagal, Mishivtichu, c'est-à-dire le Onen, c'est celui qui a eu son mort, son proche parent qui est mort. Mefakeh Hagal, c'est le secouriste qui déblaye les décombres. Mishivtichu, c'est celui à qui on a promis qu'on allait sortir de prison. Chole Vezaken, ça va ensemble, ça fait 5, mais ces 5 personnes-là, pour ces 5 types de personnes, ne fait pas un korban pessah que pour eux. Parce que d'accord, Chazaka, c'est bon, il est vivant, il est. Mais malgré tout, statistiquement parlant, c'est 50-50. C'est possible qu'un moment, il va y avoir du changement de programme, et tu vas te retrouver avec un korban pessah qui ne va pas être consommé. Shema Yaviu et Apessah, les Debsoul, de peur qu'ils vont avoir un korban pessah qui va devenir Pasoul, inapte, c'est-à-dire qu'il ne va pas être consommé, donc il devrait être brûlé le lendemain. A priori, on fait attention à ce que tous les Kodshim, tous les corbanotes, à ce qu'on les mange et qu'ils ne soient pas brûlés a posteriori. Il y a un interdit de le laisser jusqu'au lendemain matin. S'il reste, on t'a dit de brûler, mais a priori, tu prévois ton coup pour qu'il ne te reste rien. De ce fait, ne va pas, cette personne-là qui est en prison, par exemple, ou ce malade, que pour le moment, il a la force de manger. Mais finalement, peut-être qu'il n'aura plus de force ensuite pour manger. Alors, qu'il ne fasse pas un corban pessah tout seul, de manière à ce que qu'il ait des associés avec lui. Comme ça, si lui, il ne va plus avoir de force, au moins il y a quelqu'un qui va manger ce korban pessah. Et qui ne va pas être brûlé pour rien. Ok? De ce fait, maintenant, je reviens, j'apporte la précision sur l'histoire de celui qui sort de prison. Celui qui sort de prison, on parle, quand on a promis de sortir de prison, on parle que... Donc, faites attention, regardez, on a dit que on peut faire le korban pessah pour lui, mais qu'il ne le fasse pas tout seul de peur qu'il va y avoir un changement de programme. C'est pour ça qu'il fallait dire qu'on parlait de Goïm qui l'ont pris en prison. Parce que si c'est des Israël qui l'ont pas en prison, par exemple, quelqu'un qui ne voulait pas donner le guet à sa femme, ou toutes sortes de situations dont on nous rapporte, donc, s'ils l'ont promis qu'ils allaient le sortir, Israël, quand il dit que le juif, quand il dit quelque chose, il tient sa parole. En tout cas, c'était à l'époque comme ça. Chérit Israël, lo yassoav la befiyem, lo yedabou chazav. Le chérit Israël, le vrai juif, authentique, il ne parle pas, ils ne feront pas sortir de chéquer de leur bouche. Ce qu'ils ont dit, ils vont le faire. S'il a dit qu'ils allaient le sortir, ils vont le sortir. En l'occurrence, c'est le prisonnier qui ne doit pas faire la shrita, à qui on ne va pas faire un korban pessah que pour lui, de peur qu'il ne va pas sortir, c'est que quand il est prisonnier chez les Goïm, parce que si c'est chez les Juifs, et qu'il est en premier de sortir ce soir, eh bien, on pourra faire même que pour lui, parce que c'est sûr qu'il va sortir. Ok? Le Fikar. Maintenant, on continue à découvrir que, de ce fait, puisqu'on parle de personnes, pour le moment, ils étaient Bechezkat Moutar. Ils étaient pour le moment présumés aptes. Et donc, tu as fait le Korban Pessah pour eux. Je t'ai demandé de prendre quelqu'un d'autre aussi avec eux, comme ça, on ne va pas se retrouver avec un Korban Pessah tout seul. Mais en tout cas, au moment où tu l'as fait, le Korban Pessah, il était très bien, en l'occurrence. Imera Ba'en Psoul. Si au final, il s'avérait qu'il y a eu un problème. Par exemple, j'ai oublié de préciser, pour le sort du Onen, le Onen, par exemple, on craint, il y a lieu de craindre avec le Onen, c'est une bêtise, le Onen, c'est celui dont on a le mort.
Il n'aura pas le temps de l'enterrer avant Pessah, c'est vrai. Mais ce soir, il pourra manger. Mais malgré tout, on craint que dans sa peine, il va aller toucher son mort. Et dans ce cas-là, il va devenir impur. Ou même entrer dans la maison où son mort se trouve. En l'occurrence, toutes ces personnes-là qu'on a évoquées, si au final, il y a eu un problème, il s'avérait qu'ils n'étaient pas aptes à le faire. Le Hanan, il est parti, il n'est pas apte à manger. Le Hanan, il est parti toucher son mort. Alors, et je saute le Mefakar Hagal, et je parle de celui à qui on a promis de sortir de prison. Finalement, ils l'ont pas libéré. Ou encore, à Chole Zaken, le vieillard, le malade, ils ont eu la température qui a monté, ils n'avaient plus de force pour manger. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas accompli leur mitzvah de manger le Korban Pessah. Puisqu'au moment où tu as fait le Korban Pessah, tu étais apte à le consommer, Ptourin Milasot Pessah Sheni. Ils seront dispensés de faire le Pessah Sheni, le deuxième Pessah, le deuxième Korban Pessah, une deuxième fois le Korban Pessah. Chutz, Minamefakar, Bagal, Shiutame, à l'exception de celui qui déblaye les décombres et qui trouve ensuite que la personne qui cherche en dessous, malheureusement, il était mort. Alors dans ce cas-là, Utame Mitrilato, il était impur depuis le début, parce que c'est une règle dans les Khotuma Betamar. On fait un petit peu plus de clair sur l'histoire du Mefakar Hagal, parce que vous allez. Il faut bien. C'est pas compliqué, mais il faut juste bien comprendre ce qui se passe. On parle qu'il y a eu une maison qui s'est effondrée sur une personne, on ne sait pas s'il est vivant en dessous. Vient le secouriste, et il commence à déblayer, déblayer, déblayer. Pendant ce temps, il avait déjà envoyé son chaliach au Beth Amikdash pour lui faire le Korban Pessah, lui avec toute sa famille. Il continue à déblayer et à déblayer, et il lui fait le Korban Pessah. Ah, il a envoyé le chaliach à 2h30, à 2h il a commencé à travailler, il envoie le chaliach, et puis à 4h de l'après-midi, on découvre qu'en réalité, la personne était morte sous le gal, sous les décombres, il était mort. Il s'avère que maintenant, il était impur au moment où on a fait le Korban Pessah, il était inapte à le consommer. Puisqu'il était inapte à le consommer, le Korban Pessah qu'on a fait pour toi, pour lui, eh bien, il n'était pas pour lui, il n'était pas apte à le consommer. D'accord? De ce fait, il aura le devoir d'apporter un Korban Pessah Sheni. À la différence de toutes les autres personnes, prenez le malade par exemple, lorsqu'il a fait le Korban à 2h de l'après-midi, il était apte à consommer. À 14h de l'après-midi, il a eu une montée de fièvre, et du coup, il était complètement assommé. Il n'avait plus de force, et ça lui a duré jusqu'au lendemain matin, il n'a pas pu manger le Korban Pessah. Lui, au moment où on a fait le Korban Pessah, il était apte à le manger. La différence, elle est claire. C'est un état depuis tout de suite, le malade, lorsqu'il est malade, pour le moment, il est apte à manger. Alors que l'autre, le Mefakar Hagal, en réalité, on a découvert qu'il était mort depuis le début. Comment on sait maintenant? Là, vous avez compris. Maintenant, comment est-ce qu'on sait qu'il était mort depuis le début? On n'en sait rien. Peut-être qu'il était vivant et qu'il est mort dans les dernières 5 minutes. Alors sur ça, on a une règle, selon les Chazakot, Kol Atumot Kishat Metziatan. C'est une Gemara rapportée dans Nida, que chez Kol Atumot Kishat Metziatan, Tosot Yom Tovi rapporte aussi, Tosot qui en parle ici, qu'on a une règle dans les Khotuma Vetara. Si de manière générale, on présume que les choses, l'état qu'elles avaient initialement, n'ont pas bougé, on a une règle dans les Khotuma Vetara qui fonctionne à l'envers, qui me dit que quand tu trouves une Touma ici, tu soupçonnes qu'elle était là jusqu'à preuve du contraire. Du coup, tu trouves que maintenant il y avait un homme qui était mort, tu soupçonnes que jusqu'au dernier moment où on l'a vu en vie, il était présumé comme mort. De ce fait, celui qui était monté, qui était en contact avec les décombres, qui était monté dessus pour pouvoir les déblayer, eh bien, c'est sûr que, selon les Klalei Chazakot, il est devenu certainement impur. Et de ce fait, le Korban Pessah qu'on a fait, on l'a fait pour une personne qui n'était pas apte du tout à le manger au moment du Korban. De ce fait, le Korban Pessah, il est invalidé, il sera différé au Pessah Sheni. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlachot.